Encore un petit peu de thé, là, s'il te plaît. Voilà, Louise. Soyez la bienvenue. Asseyez-vous. C'est elle qui a perdu son pied. Gabi nous a raconté. C'est terrible, ça. Mais toujours pas retrouvé. Mais de quoi parlez-vous? Son clitoris. Ah oui. Oh. Vous ne l'avez toujours pas retrouvé? Remarquez, vous avez déjà la chance de le connaître. Au moins, vous savez ce que vous avez perdu. Mais de notre temps, on savait même pas qu'on en avait un. Sauf toi, Gabi. Les menaces de ta mère ne t'ont jamais fait peur. Oh non. Oh, ils vous racontaient de ces histoires. Que c'était sale. Que on allait attraper la mort si on se touchait. Que qu'on irait en enfer. Moi, j'ai jamais cru à leur enfer. Et ma mère disait à mon frère, faire l'amour, c'est comme faire pipi. Ça soulage. Moi, j'ai jamais pris de plaisir. Et ma mère me disait, heureusement, sinon tu serais une putain. Toi, Gabi, tu as eu de la chance d'avoir ton Gilbert. Oui. Mon Gilbert, c'était un homme extraordinaire. Et de qui parle-t-elle? De qui parlez-vous? De mon mari. Ah. Je n'entends pas du tout. Et vous murmurez de ces choses qui vous envoyaient au septième ciel. Il m'envoyait au septième ciel.